On vient de rejoindre Thierry de la Héronnière, encore ému de la vente du 440 pour 125 000 euros, un fils de Siuni. Top price pour l'instant de cette V2. Alors Thierry, raconte-nous un petit peu son histoire. Bien, c'est une famille qu'on connaît bien à Elon, puisque c'est la famille de Porlezza, Ponte Vespucci. Donc j'en ai quand même pas mal de cette famille-là. On la supporte. Lorsque M. Hilger a arrêté un peu l'élevage, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour évidemment prendre cette belle famille qu'on connaît depuis très longtemps, parce que même Pointe-Vine, la mère de Porlezza était Ouara. Et donc voilà, là je suis associé avec mon ami Alec Wo. Donc c'est un petit clin d'œil parce qu'on était co-top éleveur à Osarus l'année dernière. Et voilà, c'est une belle association avec une pouliche qu'on adore. J'avais déjà fait ce croisement là une fois, on avait eu un poulain mort, donc c'est finalement mon retour des choses. Alors juste un petit clin d'œil, on va faire un tour en arrière aussi. Le premier jour, tu as vendu un poulain ou une pouliche à 225 000 euros. Alors 215, voilà. Qu'est-ce qui... Alors voilà, c'est pareil, tu peux nous en parler un petit peu, rappeler qui est-ce déjà? Déjà, elle est issue d'une championne, hein, gagnante des réservoirs. Elle avait déçu un petit peu à 3 ans, mais c'était quand même une très bonne 2 ans. Et Spirita, c'était quel numéro déjà, 215 000 14, Calvados. Ça ne s'oublie pas non plus. Non, mais c'était une belle pouliche de Dark Angel qui ressemblait un peu à sa mère, qui était très distinguée, très, très balancée. Et voilà, donc elle a plu et on est très content de tout ça. Merci Thierry.